Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. C'est dévotion à soi qui entre la caille aujourd'hui, qui c'est jeudi 8 avril 2021. Nous t'es joint avec Frère Stevenson Pierre depuis Tabernacle de la Grâce en Tempe, Arizona. Et nous t'es joint verset journée nous dans Romains 8, verset 34. Il dit qui monde qui cap condamné yo? Personne. Parce que Jésus-Christ est mort. Ça qui pire encore, il levé sorti vivant dans la mort. Et puis il chita sous bord droite papa le côté la plaider pour nous. Parce que je n'ai dit moi invité ou prend Jésus comme avocat aujourd'hui pour éviter les pas venir juge pour jijou un jour. Et donc dans verset ça apôtre Paul qui a parlé au à peuple romain et qui a parlé des élus de Dieu, donc monde qui sauvé. Donc c'est nous le verset 33, nous capable ouais que l'étape fait référence à des élus de Dieu. Et même dans invité nous lit tout chapitre là parce que sont très bel chapitre depuis le commencement et dans chapitre 8 verset 1 même parce qu'en pile là nous gétant lire plusieurs fois déjà pour si on monde pour lire prend un petit temps les chapitres Romains 8 verset et chapitre Romains 8 là parce que les vraiment aider ou qui capable aider pour capable affermir la foi dans Jésus-Christ. Depuis dans Romains 1er dans premier verset il dit que pas gagne aucune condamnation pour monde qui croit dans Christ. Et si nous continuons dans verset Romains répéter en pile, nous connait répéter verset ça tout. L'autre verset Romains répéter en pile c'est dans Romains 8 verset 28 qui dit que toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu. Donc et bien qu'on y arrive nous que nous y a pas aucun monde qui est capable de condamner parce que Jésus a plaidé pour vous. Donc je pense que les montrer plusieurs façons que comme c'est pour la foi capable affermi et que il dit pas de condamnation pour vous parce que vous croyez en Jésus-Christ et aussi pour Jésus-Christ lui-même et tout ça qu'a fait dans la vie où Jésus gagne contrôle lui et que lui-même rien mal pas arriver au sang que volonté bon Dieu pas gagne arriver au sang que bon Dieu pas et volonté bon Dieu pas manifester là dans. Et donc, avec verset ça, je vais juste rappeler nous, bien rapidement, que nous devons passer des moments très difficiles. Et il y a des choses que nous devons faire face à nous-mêmes et que nous ne comprenons pas. Nous trouvons que nous sommes trop dit pour nous, nous ne sommes pas capables de supporter. Yo. Mais cependant, que bon, Jésus-Christ était fait plus grand sacrifice, il était mort pour nous. Nous faisons que célébrer Pâques. Et que monsieur nous te pas son bonne fête Pâques et que c'est ça nous célébrer la mort avec résurrection de Jésus-Christ à travers fête Pâques et que donc Jésus lui-même était mort pour nous pour que bagaille qu'a fait dans le monde ça yo pas affecté nous gens que yo te qu'on affecté nous avant et que nous connaît que nous gon monde cap plaider pour nous pendant que nous sous monde là. C'est normal pour nous capable gagner des problèmes, c'est normal pour nous capable gagner des problèmes et parce que nous pas la caille nous, c'est de passage nous y est. Mais cependant nous connaît que expérience non pas ici, expérience dans ciel et nous croit que nous gagnons un jour pour nous chita bon côté Jésus-Christ parce que c'est lui qui te fait une promesse et que le pas jambe bail maintenant promesse et que lui-même tout, il était venu pour mourir pour nous et que nous-même pour être capable ban nous accès à avec la vie éternelle. Donc je dis à et j'en pense à dit si vous pouvez faire la paix avec Jésus-Christ, vous pouvez faire la paix avec bon Dieu. Je vous demande pour faire ça. Parce que pour bon Dieu, Jésus est capable d'être un avocat pour vous, au lieu pour le parent, un juge pour vous, puis devant. Parce que si vous mourrez, ou bien Jésus retourne, et que vous pouvez faire la paix avec lui, laissez-le, c'est un juge là, puis il n'est pas capable de défendre nous, laissez-le capable de condamner vous. Et donc, changez parole ça, et moi encourage encore le verset. Et m'a aussi salué tout le monde dans moment ça qui était perdu un cher et un être qui cher à eux-mêmes et n'a pas demandé pour Saint-Esprit capable aller conforter yo et nous gagne plusieurs monde qui proche nous et bien nous au moins deux monde qui proche nous dans semaine qui s'est passé là qui aller pour voyage éternel et n'a demandé pour nous prier pour monde ça et que pour bon Dieu capable consoler famille yo. Et mais nous croyons que moun sa yo tout nous gagne pour nous rewayo encore et donc c'est espérance nous ça quelque soit gens bagaille yo nous gagne espérance n'a rewayo encore. M'a prier pour nous. Dieu tout puissant Père éternel, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, ta bonté infinie. Merci Seigneur parce que t'es voyé petit toi Jésus-Christ qui t'est venu descendre mourir pour nous pour être capable ban nous accès avec salut avec la vie éternelle. Merci pour tout bienfait ça yo, merci pour l'amour.
Merci pour tout ça. Mais c'est parce que ou dit pas gagner qui arrive nous sans que volonté ou pas là-dedans. Et merci pour toute protection ça, pour tout bienfait ça. Nous disons merci pour ça, nous bas au gloire. Et dans un moment ça n'a pas venu devant nous, humblement posséder devant nous, demandons pour Saint-Jésus-Christ capable de descendre sur nous, pour être capable de laver nous, pour capable de faire nous grâce. Parce que nous connaissons la vie nous pas bon, nous connaissons que nous faisons des choses qui pas bon, nous connaissons que nous faisons des choses que, qui pas fort plaisir. Et que ce soit volontairement ou bien involontairement, Seigneur. Nous demandons, Seigneur, dans un moment ça, pardonnez-nous, lavez-nous, retirez tout mal, tout mauvais bagaille, pensée, action dans nous-mêmes. Pour nous capables et rester propres devant Dieu et que pour nous capables les faire appel là pour nous capables monter à joindre nous dans les nuées et donc et nous demandons aussi Seigneur tout le monde qui touche qui a une famille qui t'a perdu mon yo qui proche yo nous demandons aller faire des touches spéciales pour yo vous réconforter toute famille ça pour yo capable continuer faire confiance pour yo connait yo gain espérance pour yo le monde ça encore dans un jour qui pas trop loin. Et nous faisons confiance, Seigneur Dieu puissant. Et l'autre monde, Seigneur, qui est malade, allez toucher, Dieu puissant. Monde qui est enceinte, nous avons plusieurs amis qui sont enceintes, madame nous enceinte, nous avons ce nom qui est enceinte, nous avons d'autres amis, Seigneur Dieu puissant. Quel soit côté, mon yo, ya, Seigneur Dieu puissant, allez toucher, permettre que vous soyez capable de porter grossesse en bien, que tout le monde soit capable de faire en bien, Dieu puissant. Et bénis toute l'église, bénis tout le monde qui attend de nous là, quel que soit côté, délivrez-vous, Seigneur, qu'on ait toute raison qui a pris. Moi-même, je ne sais pas qu'on est, mais on connaît toutes demandes, prières. Allez toucher, faisons des miracles dans l'église. Permettre que nous sommes capables d'affirmer, Seigneur Dieu puissant. Payez-nous, mon Seigneur, qui passe un moment très difficile. Nous demandons, Seigneur Dieu puissant, allez faire intervention pour capable payer à remettre le sourire. Nous pas dit, nous pas bon, mais nous prions, dans le nom de Jésus qui nous prions, dans le nom de Jésus qui vive, qui règne au siècle des siècles. Amen. Merci. Et c'était Frère Stevenson Pierre depuis Tabernacle de la Grâce dans le Tempe, Arizona. Moi, salut à tous. Moi, je vous souhaite une passion, très bonne journée, très bonne soirée sous la protection divine. Bye bye. À midi, moi présenter ma belle louange.